Eh bien, salut tout le monde, c'est Guillaume. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, pour ma part, bien écoutez, ça va nickel. J'ai fait une nouvelle vidéo, pourquoi? Ça fait quand même à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo d'ouverture de cartes. Et je me suis dit, après avoir obtenu les différents duo packs de la série Glaciation Plasma et les trois coffrets. Les trois coffrets aussi également de Glaciation Plasma. On voit un petit peu ici hop, le Lugia et à côté de moi j'ai Fulguris et Deoxys. Je me suis dit eh bien pourquoi pas prendre le coffret Deoxys. Comme ça voilà, ça va permettre de compléter ma collection. Coffret Deoxys que vous voyez justement à l'écran. On le voit à moitié, je vais essayer de hop, voilà. De prendre, voilà, avec la Jumbo Deoxys que nous voyons derrière. Voilà, à peu près le coffret. Voilà. Ça, pour ma part, en fait, je trouve que ça remplace le tri-pack, car il y a trois boosters à l'intérieur, plus une jumbo, plus une carte promo qui est Dracalmine, qui se trouve ici. Et il n'y a pas de tri-pack pour la série Glaciation Plasma, que je trouve dommage. Enfin bref, du coup, je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bon, et eh bien, re tout le monde. Alors, voilà les deux cartes promotionnelles que nous avons dans ce coffret. Donc, voilà, je vous montre Dracalmine holographique. Macro, si tu veux bien te faire. Voilà, donc je sais pas si on voit bien. On voit pas en fait. Ah, essayez de voir. Ah, il y a la lumière qui est chiante. Enfin, bref, c'est une holographique promotionnelle. Bon, ça a le mérite de me donner ma première holographique de la série Glaciation Plasma qui m'a porté vraiment malheur, on va dire. Et voilà, ici, donc la Jumbo Deoxys, qui est vraiment très très belle. Donc voilà. Je vais peut-être la montrer à mes élèves, on verra. Voilà, bon, on va directement passer à l'ouverture des boosters, hein, c'est ce qui est le plus intéressant. On va commencer par Tempête Plasma, j'aime bien cette collection, elle m'a apporté quand même de beaux spécimens. On va rapprocher ça, hop. De beaux spécimens, du coup, on va commencer à l'ouvrir. Petite anecdote, au niveau des coffrets, j'en ai ouvert qu'un seul pour l'instant. Enfin, du coup, là, c'est mon deuxième. Et le premier, c'était à la Japan Expo, enfin, chez Aksu. Et elle avait trouvé son Dracaufeu Shiny, et moi, je me suis tapé trois rares. C'était très drôle. Voilà, j'espère quand même avoir un peu plus de chance. Au moins, peut-être, je sais pas, une holographique, ce serait sympa. Enfin, bref, on va ouvrir le paquet. On va voir ce que ça donne. Bon, je ne dis pas voilà le code pour ceux qui veulent parce que de toute façon personne ne me le demande donc voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, nous avons hop un Chakripant, un Skitty, un Carapuce, un Magnéty, un Tortipousse, hop, je vais bien recadrer, un Fermite, un Clic. Une corde de sortie. Nous avons un Seriflore en commune reverse. Et derrière, nous avons forcément une rare. Voilà, un Bétochef. Ça me paraissait tellement évident. C'est une carte que j'ai déjà, donc. Je vais dire. Petit souvenir de la Japan Expo. Ok. D'accord. Je vais ouvrir. Bah, allez. Comment ça s'appelle déjà lui? Scalproie, je crois. Glaciation Plasma, c'est une collection que je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'elle donne. Enfin, pour l'instant, en tout cas, toutes les cartes que j'ai ouvertes, c'était un peu du caca, hein, faut le dire. Donc, c'était du caca, surtout avec Trono de Coco, c'était assez drôle. Enfin, pas trop, mais bon. Enfin, bref, voilà. Hop, Farfuret, Funessir, Voltorb, la macro, please. Voilà, Makuhita, Scalpion. Alors, Team Plasma Ball, ok, Lanterne. Metang, que je voulais avoir enchaîné et que j'ai eu Cochignon, donc super quoi. Waouh! Ah bah pas mal quand même. Une Holo Reverse, Lugulabre, ça fait plaisir. Faudrait que je retrouve des pochettes parce que j'en ai plus, donc voilà, une belle Holo Reverse, et derrière nous avons une rare. Salut! Ouais, non, franchement elle est super belle. Une Holo Reverse, bon, j'ai toujours pas d'Holo, mais une Holo Reverse, voilà, c'est aussi bien. Super. Ça va, ça reste un bon booster celui-ci. De toute façon, dans les coffrets, j'ai pas grand espoir de trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, je le dis.
Donc le dernier, le Dioxys. Allez, une petite holo quand même, s'il te plaît. Hop. La session plasma. Alors, allez, une petite holo, s'il te plaît. Please. Alors, out. Evoli. Étourmi. Bon, faut que je me dépêche vu que j'ai bientôt cours. Mini Draco. Nidoran. Mal, pour préciser. Trio des ombres. Piège, n'importe quoi. Pierre allégé. On voit bien ou pas? Ouais, pierre allégé. Un Batrachné. Bon. Un Cacturne. Ouh, un Cacturne en rare reverse. Donc nous avons deux rares en un booster. Oui, tout à l'heure, il y en avait aussi deux rares en un booster. Mais bon. Rien ne pouvait détrôner, voilà, tout simplement, la carte Lugulabre Holo. Vas-y, je suis tout tombé là, ça me saoule. Et derrière, nous avons... Waouh! Oh my god! Oh putain. Ok, ah, je suis désolé pour le gros mot. Oh là, c'est la carte que je voulais, elle est trop belle. Oh my god! Oh, vas-y, il me faut des pochettes là, c'est pas possible, je peux pas laisser comme ça. Waouh, regardez-moi ça. Ah, je suis trop content. Ah bon, bah. Moi qui disais que voilà, la collection Glaciation Plasma me portait malheur, j'ai un peu trop parlé vite. J'ai un peu trop parlé vite. Ça veut rien dire? Enfin, on s'en fout! Latias ex Full Art, donc waouh. Franchement, très très belle carte. Mais écoutez, je suis très content de ce coffret. Voilà, j'ai eu du caca la dernière fois avec Aksu et là, j'ai eu une excellente carte, une excellente pioche. Franchement magnifique. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver des pochettes et on va faire un petit récapitulatif, même si ça va être rapide. Voilà. À tout. Bon, et bien, re tout le monde, on va faire le récapitulatif de cette ouverture. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le mettre voilà sous pochette vu que je n'ai pas une grande pochette, mais hop. La Dioxys Jumbo qui est vraiment très belle. J'ai également la... Il me semble que c'est la Darkrai. Mais il faudrait que je la retrouve. Je ne sais plus où je l'ai foutue. Ou je l'ai peut-être laissée chez Aksu. Je ne sais pas. Vu que je n'ai aucune pochette pour la protéger. Ce qui est assez dommage. Donc voilà. Je vais vous montrer en gros les cartes intéressantes que j'ai eues dans cette ouverture. Mais écoutez, ma foi, c'était une très bonne ouverture. Il n'y a pas à dire. Je suis très content. Donc nous avons voilà une reverse Cacturne en rare. Très très belle carte, une rare reverse, c'est cool, moi j'aime bien, je préfère qu'une rare normale, tu vois. Voici la carte holographique Dracarmine, pardon, enfin Dracarmin ou Dracarmine, voilà, qui est ma première holographique de cette série, et sûrement la dernière, vu que je ne compte plus acheter de cartes de cette série. Glaciation Plasma, même si voilà, je finis sur une très bonne note, hein, j'en suis très content. Juste après, voilà, une Holo Reverse, donc très très bonne pioche, j'en suis très content. Franchement, plus le Gularbe, il est très beau. J'aurais bien aimé l'avoir en Shiny en carte, mais c'était dans. Ah, je ne sais plus c'est quelle collection, ça remonte. Hein. C'était au moins 5-6 collections. Voilà, une très très belle carte. Un Lugulabre holographique, et on finit avec. La plus belle des cartes de cette collection que je trouve. Voilà, Latios, ex Full Art. Voilà, pour moi, c'est la plus belle des Full Art, la plus belle des Ultra Rares. Donc, je tombe en plus sur ma préférée. Eh bien, écoutez, rien à dire. J'en suis très content. Voilà, et eh bien, j'espère que vous appréciez en tout cas cette vidéo. Moi, j'en suis très content. On finit sur une très bonne note. Et voilà, et bien écoutez, moi pour ma part, je vais vous dire à la prochaine pour la nouvelle extension qui va sortir le 9 novembre, qui s'appelle Explosion Plasma. Donc évidemment, je vais faire une ouverture dès sa sortie. Et qui sait, sur eBay ou sur Le Bon Coin, je vais essayer de trouver des cartes peu chères, pour faire aussi une ouverture entre deux. Pourquoi pas? Sinon, je vous dis également à la semaine prochaine pour un unboxing des versions X et Y. Et pourquoi pas une approche... Enfin, une première vidéo découverte de la nouvelle génération. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne journée à vous. Voilà, salut à tous.